Coucou. Allez, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Bon, on te parle d'un retour. Tu attends éperdument le retour de quelqu'un ou le retour sur une situation. Tu prends ou tu laisses comme d'hab. Si ça t'intéresse pas, je t'invite à aller regarder une autre vidéo. Allez, qu'est-ce que tu attends? Eh bien, écoute. T'attends le retour d'une personne et on te dit qu'il va y avoir une chance de créer des compromis. Clairement, moi je te dis, hein, tu en auras une, tu n'auras pas deux chances de pouvoir essayer de récupérer les choses ou du moins de rattraper ce que tu peux rattraper par rapport à la personne de ton cœur. On te parle de retard. Bah, peut-être parce qu'effectivement, tu es resté dans une attente. Tu sais bien, l'attente, ça ne sert à rien d'attendre. Parfois, il faut aussi forcer. Les choses, il faut aussi mettre des choses en place. Si tu es en statut pause et que tu attends, clairement, les choses vont pas se mettre en route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en retard. On te dit que ça fait un petit moment que tu attends, mais tu attendais. Bon, c'est pas grave. On te dit que tu vas retrouver une tranquillité d'âme. Voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu dis, voilà, moi ça, j'en voulais plus et je suis vraiment en accord avec ça aujourd'hui. En tout cas, on te parle de retour de la personne de ton cœur. Le bout, moi, mais tu vois, on a remis du scotch. Pour qu'on puisse enfin avancer ensemble. Ose demander et ça te sera accordé. Fais marcher la loi de l'attraction, clairement. Et on sent que bah, ça t'inquiète, ça t'épuise. Tu dors pas assez bien, tu as du mal à t'alimenter. C'est quand même assez compliqué pour toi en ce moment. Hein. Tu as un contrat d'âme avec la personne de ton cœur. Donc, en gros, pour moi, c'est pas terminé. On te parle de victoire. Il va falloir que tu apaises un petit peu ton état émotionnel. Il va aussi falloir que tu commences à bouger, mettre des choses toi aussi en place de ton côté. Et clairement, on te dit que tu vas pouvoir dépasser tout ça. Mais si tu ne te prends pas par la main, clairement, moi je te le dis, hein, personne ne peut le faire à ta place. Homme ou femme, tu adaptes à ta situation, clairement. Mais pour moi, tu as vraiment ta destinée entre les mains. Tu as cette chance, tu en auras une, mais pas deux. Et clairement, on te dit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Il va falloir que tu prennes la bonne décision. Il va falloir que tu te bouges le derrière, vraiment.